Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'annoncer plusieurs messages importants par rapport au blog et par rapport à cette chaîne YouTube. Donc, reste bien jusqu'à la fin car il va y avoir du contenu très intéressant qui pourrait t'intéresser. Déjà, je tiens à m'excuser car ça fait un peu plus d'une semaine que je n'ai pas publié de vidéo. J'ai l'habitude de publier des vidéos une à deux fois par semaine. Là, j'ai pris un peu de retard car j'étais en train de te tourner une heure de formation offerte. Donc ça va être l'un des sujets, l'un des messages que je vais te faire passer dans cette vidéo. Et également, j'étais sur un projet immobilier qui m'a pris pas mal de temps entre appeler mes partenaires en France pour visiter les biens, faire le montage financier, etc. Donc voilà, plus mon boulot. Donc c'est voilà, la somme de ces trois-là, ça m'a un peu pris de mon temps prévu pour tourner les vidéos sur YouTube. Alors, point numéro 1, c'est que j'ai tourné une heure de formation offerte qui s'appelle en fait Global Freemium. Donc c'est une formation où je t'explique comment j'ai pu faire à peu près 100 000 euros de profit en un an sur deux opérations immobilières. Quand je dis 100 000 euros de profit, c'est quoi? C'est 100 000 euros de profit à l'achat. Donc ça veut dire que aujourd'hui j'ai ces deux appartements. Si je les revends, je peux empocher une plus-value de près de 100 000 euros. Alors, dans cette formation d'une heure, je te montre comment j'ai trouvé le deal. Comment j'ai monté le projet, comment j'ai obtenu mon financement, comment j'ai négocié, les travaux, etc. Donc, je t'ai fait une présentation d'une heure sur PowerPoint et je te partage un peu, je te partage mon écran et je te montre un peu les analyses, donc analyse de rentabilité, cash flow, calcul de la plus-value, etc. Donc, c'est vraiment une formation très intéressante qui pourra t'apporter beaucoup car je te montre comment j'ai fait et surtout les erreurs que j'ai commises et comment j'ai pu plus ou moins les corriger. Et toi, ça pourra te servir car ça te permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Car contrairement à toi, moi quand j'ai démarré dans l'immobilier, je ne me suis pas forcément formé, tu vois. Enfin, je me suis formé sur le terrain. Après, j'ai suivi des formations, mais voilà, mes premières opérations, j'étais moins avancé que toi qui regarde cette vidéo YouTube. Donc je pense que ça t'apportera encore plus d'éléments pour pouvoir mener à bien ton projet immobilier. Je prévois également de faire un YouTube live où je serai en direct en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je vais communiquer à ma mailing list. Donc si t'es pas abonné, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter en téléchargeant mon e-book gratuit qui s'appelle Les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Comme ça, tu pourras recevoir en fait ces informations-là. Donc par rapport au YouTube live, je serai en direct. Donc je vais fixer une date et une heure précise. Je te conseille de mettre un rappel pour être prévenu dès que je commencerai le live. Et l'objectif de ce live, en fait, c'est que tu me poses des questions. Si c'est par rapport à l'immobilier, si c'est par rapport. Je pense que je ferai une première session immobilière et une deuxième session immigration au Canada. Comme c'est deux sujets différents, voilà, où tu pourras me poser vraiment tes questions. Je pense que je ferai un live de peut-être une demi-heure, une heure, on verra en fonction des questions. J'ai fait le test la dernière fois. Bon, on était quoi? 15-20, bon, c'était pas mal, on a quand même pu échanger. Donc voilà, donc je te préviendrai par rapport à ça. Je prévois de lancer une formation pour la rentrée où j'aborderai différents sujets. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'aimerais que tu me mettes dans les commentaires ou que tu m'envoies par mail les sujets que tu aimerais que j'aborde par rapport à cette formation-là, sachant que les thèmes principaux seront bien sûr l'immobilier, comment réussir son premier investissement, comment négocier. Comment surtout trouver le financement. Le financement, c'est quelque chose de très important car voilà, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans l'immobilier. Il existe différentes techniques pour créer cet apport en fait nécessaire pour démarrer dans l'immobilier, notamment avec des techniques de financement créatif utilisées ici au Québec. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici et dont je me sers notamment pour mes investissements en France. Donc, il y aura un gros module par rapport à ça. Il y aura également une partie de développement personnel. Donc, ça viendra au début. Car j'estime que pour pouvoir investir dans l'immobilier, il y a d'abord un travail de mindset à faire. Car ce n'est pas tout le monde qui peut investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'immobilier. Donc voilà, je vais faire un bon module de développement personnel. Donc tout ce qui est croyances limitantes, psychologie de l'argent, etc. Pour te préparer en fait à l'investissement immobilier. Car voilà, l'investissement, c'est. Qui dit investissement dit risque. Donc il faut que tu sois capable de supporter ces risques-là. Faut que tu sois capable également de pouvoir faire certaines concessions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va également aborder dans cette formation-là. Il y aura également un volet par rapport à la gestion.
comment gérer son bien immobilier, comment trouver un bon locataire, comment mettre une équipe en place pour gérer ses biens pour soi. Comme tu le sais, moi, j'achète, après je délègue tout. Donc moi, mon travail, c'est vraiment juste de trouver le deal. Après, tout le reste, je délègue et après, je m'en occupe plus. C'est clair qu'après, bon, il y a quand même des suivis au niveau des travaux, etc., quand il y en a. Mais ce n'est pas moi qui vais voilà, aller faire les travaux, ce n'est pas moi qui vais faire les visites, ce n'est pas moi qui vais gérer les locataires, ce n'est pas moi qui encaisse les loyers. Donc, on va voir comment identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à mener à bien tes projets. Il y aura également un volet investissement à distance. Donc ça, ce sera pour les personnes résidant hors du Canada ou hors de France ou hors de n'importe quel pays qui souhaitent investir à l'étranger. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'investis en France tout en étant au Canada et j'investis également au Canada. D'où également un volet pour l'investissement immobilier au Canada pour les locaux, donc les personnes qui habitent ici à Montréal, et les personnes vivant à l'étranger qui souhaiteraient investir également au Canada. Donc ce sera un autre module assez costaud par rapport à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Si tu as des sujets spécifiques que tu souhaites que j'aborde dans cette formation, je t'invite à les mettre dans les commentaires. N'hésite pas vraiment à me dire ce que tu veux. L'idée, c'est que cette formation soit adaptée à toi. Donc voilà, si tu estimes que je devrais aborder tel ou tel type de sujet, franchement, n'hésite pas à laisser un commentaire et voilà, on pourra traiter ça. Moi, j'ai déjà commencé à faire certains modules et je pense lancer la formation d'ici la rentrée. Donc, parce que là, avec la Coupe du Monde, l'été, etc., voilà, les gens sont occupés. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui visionneront des vidéos sur YouTube parce que bon, l'été, c'est quand même fait pour se reposer. Moi également, je vais me reposer, je vais prendre quelques vacances. À la rentrée, ça va démarrer fort avec la formation. Donc, il y aura des Facebook, des YouTube Live plus souvent, des webinaires et également enfin, le lancement de cette formation. Dernier point, c'est que je prévois d'accompagner un nombre limité de personnes pour du coaching en fait. Là, je fais du coaching, j'ai accompagné des dizaines de personnes. Là, ce que je vais faire, c'est je continue à faire du coaching individuel, donc une heure par-ci, une heure par-là, pour voilà, parce que des fois, tu as des personnes qui ont des blocages à certains niveaux et qui me sollicitent en fait pour voir est-ce qu'il y a des solutions pour voilà, trouver du financement, comment négocier, comment présenter son dossier à la banque, etc. Donc, je continue à faire ça, mais je vais surtout privilégier maintenant l'accompagnement sur la durée en fait. Donc, je vais prévoir d'accompagner entre 15 et 20 personnes, on va dire, sur la durée. Donc, ça va être un accompagnement sur plusieurs mois. Donc, on va définir ensemble la stratégie du début. Et voilà, je suivrai étape par étape. Bon, ça va se faire par des coachings mensuels sur une durée prédéfinie. Donc, ce sera peut-être sur 6 mois, sur 1 an, dépendamment du projet de la personne. Donc, si ça t'intéresse également, n'hésite pas à me contacter par mail ou par Facebook Messenger. Si tu souhaites suivre ce type de programme-là, je n'ai pas encore créé de page d'information par rapport à ça. Il y a juste ma page de coaching classique que je pense que tu connais. Mais voilà, je vais la mettre à jour pour les personnes qui souhaitent être accompagnées sur la durée. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu l'idée de le faire, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé voilà, que franchement j'aimerais être suivi sur une durée plus longue. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas créer en fait une espèce de mini-classe, on va dire, où je prendrai des personnes individuellement et je les suivrai tout au long de leur processus. Ça se fera par Skype. Donc moi, je travaille pas mal sur Skype avec enfin, les personnes que je coach parce que la plupart sont en France. Les personnes qui sont à Montréal, voilà, ils viennent directement à mon bureau ici à Montréal et on travaille ensemble. Mais ça se fera sur Skype et je prévois également de me déplacer en France pour rencontrer ces personnes-là au moins une à deux fois par an. Donc tout ça, ça se fera, voilà, dès que ce sera mis en place, je prévoirai voilà, de passer une à deux fois par an pour rencontrer les personnes-là physiquement et faire des séances de coaching sur place, quoi. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont venir. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter car dès que je vais préparer la formation, dès que je vais lancer la formation, ça ne devrait pas tarder. Je pense que je vais la lancer d'ici 1 mois et demi, donc d'ici septembre. Elle est déjà prête, j'ai déjà tout filmé. Donc voilà, là j'attends que l'été passe, etc. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la newsletter car c'est par ce biais-là que je vais communiquer en fait
le lancement de cette formation offerte et qui, je pense, t'apportera beaucoup. Et voilà, la suite des événements, ce sera également par mail. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à la newsletter pour être au courant de tout. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je t'invite à mettre un like. Je t'invite à partager cette vidéo à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier ou immigrer au Canada. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.